Alors bonjour, il est 11h30. On va commencer tranquillement, pas vite. Bonjour, Myriam Edabi, conseillère en gouvernement ouvert et je travaille avec au partenariat Données Québec. Je suis avec cinq partenaires ici aujourd'hui. On vous parle de la plateforme Données Québec et des travaux qui sont réalisés en partenariat. Denis, on va à tour de rôle parler des différentes réalisations. Gênez-vous pas pour poser des questions dans le chat. On va sûrement avoir le temps là, de répondre à quelques questions là, vers la fin de l'exercice. Premièrement, Données Québec, un partenariat fondé en 2016 entre le gouvernement du Québec et cinq municipalités, dans le but d'avoir une plateforme où on retrouve une plateforme collaborative où tout le monde va diffuser ses données ouvertes. Le partenariat prévoyait d'emblée que d'autres municipalités peuvent se joindre. C'était dans le but de rallier les initiatives d'ouverture de données au Québec. Maintenant, on est rendu à 18 municipalités. Les 20 ministères et plusieurs organismes du gouvernement diffusent aussi, avec près de 1 200 jeux de données maintenant à offrir. Ensuite, les partenaires ont des réalisations ensemble d'emblée. Première réalisation, là, dès 2016, on a convenu ensemble de lignes directrices sur la diffusion de données ouvertes. Ces lignes directrices-là offrent une normalisation, notamment sur les formats de fichiers, formats de date, une bonne normalisation de base pour favoriser l'interopérabilité des données. Ça a été fait de concert avec les partenaires d'emblée. Une première réalisation aussi au tout début du partenariat, c'était d'ouvrir une page dédiée à la société civile afin d'accueillir les initiatives d'ouverture de données d'intérêt pour le public, que ce soit des OBNL ou des chaires de recherche et compagnies privées, pourquoi pas. Dès que des données sont d'intérêt pour le public, on accueille ces initiatives d'ouverture-là. Et maintenant, on a 16 organismes de la société civile qui diffusent sur Données Québec. J'ai avec moi les cinq partenaires. Il y a d'autres réalisations qui ont été faites. Dominique Mongrain à Sherbrooke. Il y a d'autres réalisations. De votre côté, vous avez travaillé sur une politique cadre au niveau municipal. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce qui a motivé à contribuer à cette réalisation-là? Bonjour tout le monde. Oui, moi c'est Dominique Mongrain de la ville de Sherbrooke. J'ai travaillé sur un projet d'élaborer une politique cadre municipale parce que, bon, d'abord, il faut savoir que nous, les villes, les municipalités, quand on veut libérer des jeux de données, ben, on doit se présenter devant le conseil municipal et obtenir une approbation. À chaque fois qu'il y a un nouveau jeu de données, ben, il faut répéter l'exercice. C'est assez long et c'est beaucoup de délais, c'est beaucoup d'explications. Les élus changent aux 4 ans. L'idée de se doter d'une politique, c'est de faire l'exercice une fois, puis après ça, ben, les jeux de données, on peut les libérer sans avoir à se représenter devant le conseil municipal. La politique cadre, dans le fond, ce qu'on voulait faire avec ça, c'est avoir une politique qu'une ville peut adapter à son organisation, mais au moins avoir un canevas pour aider les villes à se doter d'une telle politique, là, dans le fond. La politique aussi, ça permet à l'interne, quand on veut libérer un jeu de données, ben on le sait, on a plusieurs priorités. Fait que quand on arrive, puis on a un nouveau standard, puis on veut, non, reste sur la première, s'il te plaît. Quand on veut libérer des données, faut travailler avec les unités administratives, puis là, on vient en conflit avec d'autres priorités au niveau de l'organisation. D'avoir une politique, ben ça permet de rallier les efforts internes vers ce qu'on veut atteindre comme organisation. La politique, ça permet aussi là d'augmenter l'accessibilité à des données ouvertes. On le sait, quand on n'a pas de politique, ben à chaque fois, étant donné qu'il faut repasser devant le conseil, ben il y a des délais, il y a moins d'accessibilité pour les gens qui veulent utiliser nos données. La politique, tu sais, c'est un pas vers tout le mouvement gouvernement ouvert ou Open Gov. Fait que c'est pour ça qu'on a travaillé à ça. Si on va à la page suivante, Denis, la politique, ça sert à qui? Ça sert à toutes les villes, municipalités ou des paramunicipaux qui voudraient se doter d'une politique. Dans le fond, on a fait un canevas qui peut être adapté selon votre organisation. Comment on a fait ça? J'ai pas travaillé tout seul. On avait une équipe de travail.
Denis, tu peux aller à l'autre page, s'il te plaît. Donc, on a travaillé avec d'autres villes, on a travaillé avec des ministères pour élaborer quelque chose de commun. Dans le fond, on a recensé un paquet de politiques, des politiques de certaines villes du Québec, des politiques de villes de l'Ontario. On a même regardé celle de Seattle. Seattle, c'est une ville qui est assez avant-gardiste au niveau des données ouvertes. On a regardé ce que certains ministères avaient élaboré en termes de politique. Puis on a essayé de trouver un peu un cadre commun à tout ça qui peut servir de base là, pour publier une politique de données ouvertes. À ça, on a greffé un processus parce que ce qu'on s'est fait dire des différentes villes qui en ont, c'est que sans processus, tu dois avoir une politique. Si tu n'as pas un processus pour prioriser puis libérer des données, ben c'est plus ou moins utile dans le sens où l'organisation ne suivra pas. Donc, on a rattaché un processus à ça qui peut être adapté au même titre que la politique puis qui peut servir. Fait que l'adresse qui est là, dans le fond, au niveau du portail de données Québec, la politique est là. Vous pouvez la prendre, l'adapter puis la faire cheminer vers vos organisations décisionnelles. Puis après ça, ça va vous faciliter la vie. Voilà. Parfait, merci Dominique, c'est super intéressant. D'autres réalisations entre partenaires, Rénald Girard à Laval, tu as travaillé au niveau de l'identification là, des données là, qui ont un haut potentiel de réutilisation sur la normalisation. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, avec plaisir. Merci Myriam. Effectivement, je vais vous parler quelques minutes là de deux grandes initiatives là qu'on a réalisées et qu'on continue de faire régulièrement, soit l'identification des jeux de données à haute valeur et la normalisation de jeux de données. Donc premièrement, pour ce qui est de l'identification des jeux de données à haute valeur, je dirais que ça comprend deux choses. C'était d'abord là une réflexion à Données Québec sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée à haute valeur. Et par la suite, bien, on a fait un exercice d'identification de jeux de données à caractère municipal, là, que je vais vous parler un petit peu plus dans la deuxième page. Donc, dans l'aspect, au niveau de l'aspect valeur, en fait, c'était un travail ponctuel qu'on a fait en 2018. Là. Mais on n'est pas parti de zéro, on s'est basé sur ce que le groupe de travail sur le gouvernement ouvert du Canada, le GTGOC, là, avait fait. Eux autres avaient identifié cinq grandes caractéristiques d'un jeu à grande valeur. Mais nous, à Données Québec, ce qu'on a ajouté, on a ajouté l'aspect qualité qu'on trouve essentiel là, pour qu'un jeu ait de la valeur. On estime vraiment qu'un jeu de données ouvertes, ça doit être de qualité. Okay. Nos travaux à ce sujet-là ont également inclus une préparation d'une espèce de fiche d'évaluation de la valeur d'un jeu qui comprend 22 critères là, qui sont naturellement basés sur les grands principes là, qu'on avait des grandes catégories du GTOC puis notre critère de qualité. Donc, on a déjà 18 jeux de données, là, que vous pouvez voir en haut à droite, là, dans le petit encadré, quelques exemples. Après ça, bon, je peux vous parler du deuxième grand travail qu'on a fait, là, qui est la normalisation de jeux de données. C'est quelque chose qu'on fait à Données Québec depuis 2017. Qu'est-ce que c'est en fait là, la normalisation? En fait, c'est simplement d'identifier des attributs qu'on s'attend minimalement à faire, qui fassent partie d'un jeu de données, puis d'uniformiser ben, le nom, le type et lorsqu'il y a lieu, le domaine de valeur. On en a déjà 22 actuellement que vous pouvez voir dans la petite encadrée en bas à droite. Le dernier jeu normalisé, juste pour donner un exemple, c'est les subventions. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il est pertinent autant pour les municipalités que le nouveau gouvernemental. Fait que c'est quand même intéressant. Aussi, on s'est assuré à Données Québec que les jeux normalisés soient clairement identifiés par une étiquette là, sur notre portail à Données Québec. Denis, prochaine page. Ce qu'on cherchait à faire, dans le fond, là, en faisant ces travaux-là, là, je dirais qu'il y a trois grands thèmes. Là. Déjà, aider le démarrage de nouveaux partenaires à Données Québec. On a souvent constaté là, que les organisations, ils ne savent pas par où commencer. Il y a une volonté de participer, là, mais ils ne savaient pas comment concrétiser ça. Deuxième aspect, bon, je dirais que guider l'ouverture.
la liste des jeux de haute valeur puis les jeux normalisés, bien, ça devient comme un, potentiellement comme une feuille de route là, pour l'ouverture des jeux pour les partenaires. Troisièmement, bien, favoriser la réalisation, la portabilité des solutions dans le sens qu'un jeu de données municipales, par exemple, qui est en, il devient bien plus intéressant s'il est publié par plusieurs municipalités puis surtout qui sont tous utilisant le même format. Par exemple, s'ils utilisent le même format, bien, ça peut être, par exemple, de pouvoir faciliter là, la comparaison entre les villes ou, par exemple, quelqu'un qui fait une application qui exploite ces données-là, bien, cette application-là elle devient intéressante pas seulement pour une ville, mais elle peut être réutilisée dans plusieurs villes parce que c'est les mêmes types de données, les mêmes formats. Comment on s'est pris pour faire ça? Bon, on s'est d'ailleurs, première chose, beaucoup documenté là, alentour des normes et standards nationaux, internationaux. On parle, bon, ne serait-ce qu'au Québec, là, au ministère des Affaires municipales ou encore le réseau d'étalonnage municipal du Canada qui est des sources intéressantes. On a naturellement analysé les données déjà publiées par les partenaires de Données Québec. Il y a quand même des grandes villes à Données Québec. Ça peut venir, une référence intéressante. Là. Donc, si une grande ville publie un jeu de données, ben peut-être qu'on peut se baser sur celle-là qui est publiée. Et ben on a packagé, dans le fond, tout ça là, en faisant des ateliers là, avec plusieurs partenaires qui voulaient s'impliquer pour finir là, une normalisation de données Québec. Voilà, Myriam, ça complète ce que je voulais vous parler ce matin. Merci, Rénal, c'est super intéressant. Normalisation des données, effectivement, ça favorise sa réutilisation. Maintenant, la dernière ville à avoir joint le partenariat, Saguenay, donc on a Marc-André Godère au Saguenay. J'ai envie de te demander quelles ont été les motivations à rejoindre Données Québec et ce que tu as tiré du partenariat jusqu'à présent. Bonjour, Myriam. Au niveau du partenariat, c'est sûr qu'il y a eu des motivations, là, différentes motivations qui nous ont incité à joindre le groupe. Évidemment, des motivations politiques, là, donc une des principales là, à ce niveau-là, ça a vraiment été que suite au concours de défi ville intelligente avec lequel avait participé la ville. L'aspect de données ouvertes, dans le fond, là, puis l'aspect de ville intelligente là, a été intégré vraiment au plan stratégique, donc à l'implication stratégique de la ville. Donc, ça engageait la ville, là, dans le fond, à mettre des efforts vers l'ouverture de données, étant donné que l'aspect ville intelligente intègre tout ce qui est données ouvertes. Et puis, au niveau interne, c'est sûr que, par mon bagage de d'autres intervenants à la ville aussi, il y avait une volonté de différents services, soit du service des ressources informationnelles, d'où le service de la géomatique, l'équipe de géomatique travaille, ainsi qu'au niveau de l'urbanisme, donc de proposer des jeux de données. Il y avait également là, différentes demandes là, qui provenaient de l'extérieur, donc différentes organisations là, qui de manière récurrente pouvaient demander des jeux de données sur lesquels on devait travailler à l'interne pour les préparer, les envoyer. Tout ça, là, justement, là, pouvait être réglé là, avec en ouvrant ce genre de jeu de données-là. Alors, c'était les principales motivations, là, dans le fond, qui m'ont poussé à joindre le groupe. Et puis, c'est sûr que au niveau des qu'est-ce qui nous a servi à l'intérieur du portail, donc, qu'est-ce que comment on a utilisé, principalement au départ, c'est sûr qu'au niveau des statistiques, on est allé chercher beaucoup de statistiques d'utilisation. Quelles étaient les données qui étaient le plus utilisées? Qu'est-ce que quelles municipalités étaient là? Ce genre de statistiques-là ont beaucoup aidé à convaincre les élus, premièrement, pousser et tout ça. Au niveau de la politique, donc, on s'est inspiré justement des différentes municipalités parce que la politique cadre n'était pas encore en place. Donc, nous, on est allé fouiner un petit peu
chez les différentes municipalités qui avaient diffusé leur politique pour s'en inspirer, pour produire notre propre politique. Alors, ça a été notre première étape là, de produire la politique et de la faire accepter avant de diffuser et même de joindre le partenariat avec le portail. Ensuite, je disais données, inventaire de données. Donc, on s'est servi vraiment de quelles sont les premières les données, c'est quoi les données les plus diffusées. Également, l'utilisation d'outils de priorisation pour nous aider à cibler plus rapidement les données à haute valeur, là, dans le fond, qui avaient donné un gros gain au potentiel d'utilisation. On commençait avec ce genre de données-là. Également, bien, c'est sûr que la participation au comité de pilotage est vraiment très positive. L'implication, on va chercher de l'information, on peut poser des questions, c'est vraiment très intéressant. Un exemple comme ça, on s'informait parce qu'on voulait automatiser, dans le fond, la publication des données, des jeux de données. Donc, on avait un outil ETL, on s'est informé à savoir s'il y avait d'autres municipalités qui l'avaient. Et tout ça a conduit justement à la mise à disposition de documentation pour l'utilisation d'ETL pour l'automatisation de la diffusion. Tout ce qui est visibilité également, c'est sûr, à l'interne. Les différents services maintenant voient qu'on diffuse et s'intéresse de plus en plus à ça et prennent même les différents services le lead à nous proposer des jeux là, à diffuser. Ah, c'est intéressant. Puis, rapidement, qu'est-ce qui aurait été utile pour faire avancer la démarche? Tu disais la politique cadre là, sur laquelle Dominique a travaillé n'était pas encore là. Vous avez, fait qu'il y avait ça qui manquait. On l'a bien compris. Puis, qu'est-ce qu'il y avait rapidement? Quel autre élément aurait été le fun à avoir quand on arrive pour démarrer la démarche? Là? Bien, sur le portail actuellement, tu sais, il y a les données à haute valeur, mais il y a d'autres statistiques là, que nous, on s'est inspiré pour aller chercher les données. Là. Donc, vraiment un meilleur portrait de l'utilisation et de la diffusion des données. Ça, c'est sûr que ça aurait été plus aidant. On l'a monté à partir des données qui sont disponibles quand même sur le portail, mais d'avoir quelque chose de déjà prêt aurait pu aider davantage. OK, je comprends. Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Marc-André, avoir une vue d'ensemble, c'est pertinent, puis ça aide à dessiner le portrait des utilisateurs. Donc, l'objectif derrière tout ça, c'est de faire en sorte que les données soient utilisées, essentiellement. J'ai envie de passer la parole à Philippe Fortin à Montréal, qui a travaillé avec nous. Peux-tu nous glisser quelques mots sur les initiatives de Données Québec quant à la réutilisation des données? Oui, bien sûr. En fait, Données Québec s'est fixé comme objectif de non seulement publier les données, mais aussi au final de s'assurer de les faire connaître et de faire en sorte qu'elles soient utilisées. D'ailleurs, plusieurs partenaires de Données Québec abordent la question d'ouverture par défaut avec un angle d'ouverture dans un but précis. On veut prioriser les ouvertures qui mettent de l'avant celles qui vont avoir un plus grand intérêt et un plus grand impact en fait sur la communauté. Dans les initiatives qu'on a mises en place avec Données Québec, pour démocratiser l'utilisation de la donnée, je vais en mentionner deux. La première étant Hack Québec. Donc, Hack Québec est une compétition de programmation qui propose un objectif de développer des solutions technologiques et qui utilise en fait les données ouvertes qui sont disponibles sur le portail de Données Québec. La formule cherche à encourager la découvrabilité des données publiques et aussi à démontrer à un public qui est principalement étudiant dans ce cas-ci et des jeunes entrepreneurs que les données publiques, ça peut être une source qui est vraiment intéressante et sur laquelle ils peuvent se baser pour développer leur propre projet. La formule qu'on a actuellement encourage aussi la représentation territoriale en fait dans l'ensemble du Québec. Jusqu'à aujourd'hui, ou l'année dernière plutôt, la compétition s'est promenée dans plusieurs municipalités. Puis la dernière qui a accueilli en fait cette compétition-là, c'était Rimouski au début de l'année 2020. On a mis aussi, en fait, à Québec nous permet de mettre de l'avant les ensembles de données qui sont normalisées, puis sur la haute valeur qui ont été mentionnées un peu plus tôt, pour assurer que les solutions sont développées dans le cadre de ces hackathons-là
soit portable, en fait, qui peut être portée d'une municipalité à l'autre et avoir un plus grand impact. Deuxièmement, l'autre initiative qu'on veut mettre de l'avant, c'est une initiative qui est encore dans la phase de projet pilote. On s'est inspiré de ce qui a été fait à City Studio à Vancouver et qui a été repris récemment à Montréal avec l'Université Concordia via City Studio. On cherche, en fond, avec les partenaires de Donner Québec, à s'approcher du milieu académique sur les cégeps et les universités pour intégrer un volet de données ouvertes au programme de certains cours. On a un objectif double, donc intéresser la relève aux problématiques municipales et provinciales en proposant en fait des défis qui sont réels à résoudre dans le cadre de leurs cours et d'un autre côté, initier la relève aux données ouvertes pour développer un peu leur réflexe de se tourner vers Données Québec, vers le portail, s'ils ont besoin dans le futur et durant leur parcours professionnel. Ça permet au final aussi de présenter la démarche de données ouvertes dans son ensemble qui n'est pas toujours connue. Jusqu'à maintenant, la réception était excellente, tant du côté des professeurs que des étudiants, dans les quelques groupes qui ont été approchés, et on va regarder dans le futur comment on peut mettre ce projet-là à l'échelle. Si jamais vous avez, je vous invite enfin à nous envoyer des messages ou un courriel pour en savoir plus ou avoir des exemples de projets qui ont été réalisés, ils sont vraiment intéressants. Et on est toujours à la recherche de nouvelles idées, en fait, pour démocratiser la donnée. Donc, je vous invite à nous les partager soit par courriel ou même ici dans le chat de la session, on va les péter. Sur ça, je te retourne la parole, Myriam. Merci, Philippe. Effectivement, c'est ça. Hein, si on veut retirer les bénéfices des données ouvertes, il y a des travaux à faire pour ouvrir la donnée, travaux à faire aussi pour favoriser sa réutilisation pour que ces bénéfices-là se concrétisent. Maintenant, la planification et la réalisation des initiatives du partenariat Données Québec demande une certaine concertation de la part des partenaires. Je me tourne vers Denis Dufour de la Ville de Québec qui est avec nous depuis le début. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la gouvernance de Données Québec puis comment sont établies là, les priorités et les activités qui sont choisies? Bonjour Myriam. Oui, on a mis en place dès le départ un comité de gouvernance qui est composé d'un membre du gouvernement et de 5 membres provenant des municipalités. Son mandat est de proposer les orientations concernant l'administration, l'opération et l'évolution du portail de données ouvertes. Ces orientations sont consolidées dans un plan de travail qui est par la suite soumis pour adoption à l'Assemblée annuelle des municipalités et du gouvernement du Québec. Excellent. Donc, les mécanismes sont en place. On voit que ça donne des belles réalisations. Peux-tu nous parler de ce qui s'en vient dans le futur? Oui, Myriam, on va poursuivre nos travaux sur l'évolution des lignes directrices pour la diffusion des données en se concentrant, entre autres, sur la normalisation des données à haute valeur. On veut aussi améliorer la découverte de données sur notre portail en ajoutant la couverture géographique à l'information. Ça permettrait, par exemple, de constater plus facilement les données qui se chevauchent sur un territoire donné. Exemple, une ville dans une MRC. On va aussi poursuivre nos activités de promotion pour aller chercher de nouveaux diffuseurs sur notre portail. On veut aussi améliorer la connaissance du profil des clients qui visitent notre portail afin de mieux répondre à leurs besoins dans le futur. On va accentuer notre collaboration avec le réseau de l'éducation, entre autres avec les différents départements informatiques pour favoriser la réutilisation de nos données ouvertes dans leurs projets de développement. Et toujours dans le volet promotion et réutilisation de nos données, on compte organiser la 5e édition de notre Hack Québec en 2022. Excellent. C'est super intéressant tout ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas dans le chat. On a fait un beau tour là, de ce qui est beau tour de ce qui est réalisé là, entre partenaires. Peut-être y aller là, d'une invitation, des initiatives d'ouverture de données, on est toujours prêt à les accueillir. Il y a une adresse courriel où vous pouvez nous joindre. Et aussi les utilisateurs de données, je me permets de faire un petit résumé là, d'un échange qu'on a eu hier avec la Ville de l'Ontario sur la co-création. Il y a une consultation publique qui est en ligne
sur le site consultationquebec.ca pour les utilisateurs de Données Québec. C'est-à-dire qu'il y a un sondage qui nous permettrait là, de compléter le portrait qu'on se fait des utilisateurs, mais il y a aussi une section proposition. Donc, si des gens veulent proposer des améliorations à Données Québec, vous pouvez voter pour les propositions qui sont déjà là aussi. Donc, on a mis en place ce processus-là pour pouvoir faire évoluer le site en fonction des utilisateurs. Et moi, j'ai peut-être une petite question. Là, concrètement, là, les applications qui utilisent les données ouvertes. Moi, j'habite à Québec, donc j'ai l'application Copilote là, pour payer le stationnement. Je m'en suis moins servi dans les 18 derniers mois, là, mais quand même, c'est utile. Denis, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette application-là? Oui, Myriam. Copilote, c'est un bel exemple de ce que peut amener nos efforts. Copilote est une application mobile qui offre un service de paiement sécurisé du stationnement qui permet de payer à distance une place de stationnement de la Ville de Québec qui est équipée d'une borne. Donc, elle permet aussi d'ajouter, ce qui est intéressant, là, du temps de stationnement au besoin. Donc, si notre souper au restaurant se prolonge plus que prévu, bien, il est possible de rajouter du temps de stationnement à distance via notre téléphone mobile. Elle permet, cette idée d'application-là est venue d'une équipe qui participait justement à un hackathon. Et les données ouvertes qui ont été utilisées pour cette application-là sont entre autres le réseau routier puis la position des bornes de stationnement. Donc, on voit que concrètement, ça a été utilisé, la création a été faite, c'est-à-dire l'innovation a été faite à partir de données qui étaient disponibles, puis et concrètement, là, on s'en sert aujourd'hui. Peut-être une autre question, peut-être plus large, j'ai envie d'interpeller... pour répondre à la question, là, quel serait le défi de Données Québec en lien avec le défi principal par rapport à Données Québec, quel serait le défi principal en lien avec les données ouvertes? Oui, ça se termine dans 3 minutes. Est-ce qu'il y a envie de répondre à cette question-là? Je peux me lancer. Je pense qu'il y a plusieurs initiatives en fait qui ont été mentionnées qui visent en fait à mieux comprendre qui utilise les données qui sont disponibles sur le portail, puis aussi à recenser les différentes utilisations qui sont faites avec ces données-là. À mon avis, je pense que le principal défi, une fois que ces projets-là vont être achevés, ça va être en fait de trouver des façons de s'adresser à ces différents publics-là qui ont été trouvés, tant au niveau du type de données qu'on rend disponible, donc le format ou même la façon d'y accéder, que les moyens qu'on prend pour communiquer avec ces personnes-là. Donc, on peut penser à tous les canaux qui existent, Twitter, Facebook, courriel, site web, même des clients qu'on peut distribuer si on veut. Chaque public a une façon différente avec laquelle on devrait communiquer avec eux et aussi proposer des outils pour, au final, accéder puis s'approprier des données, que ce soit des tableaux de bord, le format brut de données ou des produits de données qu'on peut penser comme l'offre un peu Statistique Canada en ce moment. Donc, ça, c'est mon principal défi que je vois. Effectivement. Donc, le portrait des utilisateurs est à compléter, puis c'est de bien comprendre les besoins des utilisateurs de données. Il nous reste très peu de temps. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, à moins que ça se termine tout simplement là. Il reste comme moins d'une minute. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup à tous les cinq d'être rendu disponible. C'est intéressant de voir les travaux qu'on fait ensemble. Je suis contente qu'on ait pu les exposer là, à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Merci. Merci, Myriam. Merci, Profitez bien du reste du sommet. Merci. Merci. Au revoir.